Bonsoir Céline, bonsoir à tous. Nous sommes aux nuits Auréliennes de Fréjus pour la pièce Don Juan qui va se jouer eh bien, ce jeudi 21 juillet. Je suis en compagnie de Maxime Daboville. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être ici. Alors, 6 mois sans jouer, qu'est-ce que ça fait de reprendre? Alors, attention, c'est pas 6 mois sans jouer. Cette pièce. Parce que alors, pour le coup, moi j'ai beaucoup joué. N'arrêtes pas. Mais 6 mois sans jouer Don Juan. Alors là, évidemment, c'est assez vertigineux de s'y remettre, surtout que la moitié de la troupe, on est quand même 8 sur scène, donc c'est vraiment un gros plateau. On est hyper heureux de se retrouver, mais la moitié de la troupe est au Festival d'Avignon, sur d'autres pièces, donc on n'a pas pu se retrouver tellement en avance, donc on se retrouve un peu au dernier moment. Voilà, donc c'est un challenge particulier, mais voilà, on est tellement heureux que... Et puis on va retravailler un petit peu avant la représentation quand même. Quand même. On vous promet. Ouais. Voilà, et puis c'est une pièce qui est... C'est une pièce formidable, très épique, comme ça. C'est vraiment une grande pièce d'aventure. Chez Molière, elle est très particulière parce qu'elle a cette qualité des pièces baroques, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension très tragique, mais il y a beaucoup d'humour. Donc, il mêle plein de registres comme ça. Et c'est très épique, c'est une quête. Donc, ils sont perpétuellement. Les personnages ne sont pas dans un lieu unique comme dans le théâtre classique, mais comme dans le théâtre baroque, ils sont en mouvement et voilà. Donc c'est une pièce à découvrir ce jeudi 21 juillet aux Nuits Auréliennes de Fréjus, et puis quelque chose me dit qu'on se reverra très très bientôt pour une autre pièce, Berlin Berlin, avec laquelle tu reviendras dans oui, l'année. Oui, je reviens, je pense en voilà. Hiver par là, par là. Au printemps, mais on en reparlera hiver, printemps pour Berlin Berlin, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.